Comme la vie peut être cruelle parfois, avoir séparé deux sœurs si longtemps et permettre des retrouvailles dans de telles circonstances. Pauvre Lizzie, tombée si bas dans les méandres de l'alcool. Et pauvre Marcia, qui se trouve si impuissante face à la déchéance de sa sœur. Mais l'âme humaine a tellement de ressources insoupçonnées, et l'amour ne s'avérait avoir tant de force. Elles se sont accrochées l'une à l'autre, bien soutenues par l'affection que leur portait Louis et Victor. Et puis, petit à petit, Lizzie a remonté la pente. Les deux couples ont commencé à réaliser des projets qu'ils ont menés à bien, tant ils avaient tous la rage de réussir et de prendre une revanche sur la vie, qui jusque-là ne les avait pas épargnés. Louis a racheté le cabaret. Et c'est ainsi que j'ai le grand plaisir de vous accueillir pour l'inauguration du nouveau Black and White et de vous présenter la toute nouvelle production de Lizzie, Marcia et Victor. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que le spectacle commence! Voici maintenant le clou du spectacle, nos deux jumelles tant attendues, Marcia et Lizzie. Ladies and gentlemen, the Chicago Theater is proud to announce the first time anywhere there's been an act of this nature. Not only one little lady, but two. You read about them in the papers, and now here they are. Chicago's own killer governors, the little scintillating sinners, Roxy Hart and Velma Kelly. You can like the life you're living. You can live the life you like. You can even marry Harry, but mess around with Ike, and that's good. Isn't it grand? Isn't it great? Isn't it swell?